Voilà, c'est la fête du Saint-Nom de Jésus. Dans la missale avant 60, c'est marqué la circoncision, mais c'était donc changé par le missale de 64, de 62, le dernier missale préalable. Mais c'est la même messe, il me semble. C'est la même messe. Ça a seulement un autre nom. Ensuite, c'est louable de dire l'Asperges mei, même si ce n'est pas une messe chantée. Donc on va le faire. Gloria Patri, Filio et Spiritu Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperis mei Domini supos mundabo, lavabis in sus indigens verbabo. O Senhor, Domini misericordiam tuam. Et saluto et finale. Domine exaudio orationem meam. Et clamam misericordiam. Dominus vobiscum. Oremus exaudinos Domine Sancte Patri, potentes et Deus, et fici Dei Sancte Magnum de Caelis, et custodiat, proveat, protegat, visitat et defendat, omnes habitans in habitaculo, per Christum Domum nostrum. Amen. Profite vos vincite la Deus Deus meus, gratis anima mei gratum turbas. Spere Deo coniem la ducum, et hoc vivi sanctae vitus mei Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritu et Sancto. Sic ut erat in principio, et in saecula saeculorum. Et tu ibra et tu ibra tari zi. Adem ut vivi in ut tena. Pardonum nostrum in amere domini. Et usci celo mente. O Filio, Regina, Sancta, Beate, Maria, Sancta, Virgin, Beate, Michele, Arcangel, Beate, Nevotistia, Sancta, Apostol, Spirito, Vecchio, Olivus, Sancta, Vodis, Fates, per peccavi in discolazione per le tutte, mea culpa, mea maxima culpa. Idio pleto a Beata Maria, Santa Virginia, Beata Michele, Beata Maria, 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 Be
Santo Sapos was threatened for only Santo Stefate, or I promise to be in the strong. Miserianto, Vesiani Potens, the US, and Mrs. Picard, and this is Pedro Gabor, and Vida Vitana. Amen. You can see my section of the Mission of the Gator, and the Sun, the Gator, and the Potens, and the Visitors. Amen. You must become that so significant, Mr. Au sein de l'Ordre des Dominés Miséricordia, en tout cas, devenez exemple de l'action des bébés. Et que l'on a bien que ce devenir. Je viens de soi, biscuit. Et que vous suivez tout le monde. Bon, j'ai mon sens. Illumine Jésus, omne genu peccator, celestium celestium et infernorum, et omnis mingua confiteatur, et dominus Jésus Christus, in gloria et dignitatis. Domine Dominus noster, et admirabilis nomen tuum in universa terra. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, scuti la tua principio, et sempre in secola, secolo romano. In nomine Iesu, omni genu, peccato, celestium, terrestrium, et inferorum, et omnis lingua confiteatur, per Dominus Iesus Christus, in gloria Dei Patris. Domine Deus agnus Dei, Filius Fatuis, victoris peccata mundi miserere nobis, victoris peccata mundi, suscite de pregazione nostram, miseris elixia patris, miserere nobis, coniam tus solus tus sanctus, tus solus dominus, tus solus altissimus Jesu Christi, cum sancto spiritu, gloria Dei Patris, amen. Dominus vobis cum, et nos spiritu tu. Oremus, Dies qui me genitum filium tuum constituisti humani generis salvatore, et Iesum vocari iusisti, concede propitius, ut cuius sanctum nomen venerandum in teris, eius quoque aspectu perfuvandi in celis. Per omnem labum nostrum supplicium tuum, et te convivere trinitate spiritus sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio actua apostolorum. In Jesus Christ. Petrus, 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 Santo, Dixit, Principes Profundes, Signore, Solite, si nos obvie, judicamur in benefactor hominis infirmi, in coiste salvus factus est notum sit omnibus vobis et omni plebi Israel, quae in nomine Domine nostri Jesu Christi Nazareni, per vos crucifixistis, quem et Deus suscitavit a mortuis, in hoc iste astat coram vobis sanus. Hic est lapis, fili probatus est a vobis edificantibus, qui factus est in caput anguli, et non est in arbo alico sanus. Nec enim aliud nomen est sub celo datum omnibus, in quo oportiat nos salvos fieri. Deo gracias. Salvos nos fac Domine Deus noster, et congrega nos dilationibus, ut confideramus nomine sancto tuo, et gloriemur in gloria tua. Tu Domine, Pater noster, et Redemptor noster, a seculo nomen tuum. Alleluia, alleluia. Laudem Domini, offretur os meum, et benedicat omnis caro nomen sanctum eius. Alleluia. Thank you.
Dominus vobiscum. Civilisation de l'Evangélie, c'est comme un bon carme. In illo tempore, postquam consummati, sunt dies octo, et circumcide litur puer, vocatum est nomen eius Iesus, qui vocatum est ad angelo, plusquam in utero consideretur. Nostri Christe. Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, 2 janvier, fête du Saint-Nom de Jésus. Demain, lundi, de la féerie. Ce sont des féeries de 4e classe, du coup, donc on peut dire des messes votives. En France, Sainte Geneviève, pas oublier, très grande sainte, qui a préservé Paris plusieurs fois. Contre Attila, il me semble, Attila Léa. Donc, Attila venait vers Paris, disait « Je suis la vengeance de Dieu ». Il avait compris que c'était la vengeance de Dieu. Il venait ravager l'Europe à cause de leurs péchés. Et alors, Sainte Geneviève dit « Si, il ne faut pas venger le bon Dieu parce que c'est moi qui expie le péché. » Alors, il dit « C'est bon, c'est magnifique, hein, qu'une sainte peut arrêter une armée. » Mardi de la féerie, mercredi de la féerie, avec la mémoire de Saint Télesphore, pape et martyr. Jeudi 6 janvier, Épiphanie Notre Seigneur. Donc dans le trois canons, c'est une messe obligatoire, comme aussi celle du 1er janvier, mais selon les concordats conclué entre le Saint-Siège et les gouvernements. C'est plus obligatoire en France et en Belgique. Mais c'est quand même une grande fête, n'est-ce pas? Donc, c'est pas une fête d'obligation, mais dans le droit canon, oui. Hein. Mais pas selon le concordat. Ce sont les rois mages qui nous représentent. Dans l'Église, la partie orientale, l'Église catholique, leur Noël, c'est ça. Leur Noël, c'est l'épiphanie. Parce que ce que nous fêtons comme Noël, ce sont plutôt les Juifs qui ont vu Jésus, qui ont visité Jésus. Marie, Joseph, les bergers sont tous des Juifs. Mais là, c'est les païens, c'est nous, les chrétiens du paganisme, n'est-ce pas, qui ont visité, qui ont vu Jésus, qui ont vu Dieu fait homme la première fois, l'épiphanie, donc, l'apparition de Dieu représentée par les trois mages, qui représentent les trois races, finalement. C'est pour ça qu'ils ont trois couleurs. Donc, ils représentent toute la chrétienté issue des non-juifs. Bon, donc c'est une grande fête, vous comprenez. Vendredi de la féerie. Donc, pour le jeudi, il faut voir s'il y a assez de personnes qui veulent assister. Je suis ici jeudi. Bon, pour la messe de l'Épiphanie, on va voir. Parce que maintenant, et je reste le week-end jusqu'au dimanche, ici à Rangy. Et toujours le dimanche après-midi, je vais à l'Ost pour la messe pour les Flamands, les Néerlandophones.
Donc, je vais être plutôt à partir de dimanche après-midi et début de semaine à Lost, au nord, pour les néerlandophones. Et je vais, au cours de la semaine, venir ici pour rester jusqu'à après la messe de dimanche. Donc, c'est logique. C'est ce que j'ai fait à Belœil. Donc, vendredi, c'est en plus le premier vendredi du mois. Voilà. Donc, de la féerie encore, mais on va certainement célébrer la messe du Sacré-Cœur de Jésus, Monsieur Jésus-Christ. Samedi, la Sainte Vierge au samedi. C'est pas le premier samedi, parce que c'est le 8 déjà. Le premier samedi, c'était hier. C'était hier, donc c'était l'octave de la Trinité. Donc, c'est la Sainte Vierge au samedi. Et dimanche prochain, c'est le premier dimanche après l'Épiphanie. Donc, c'est encore en blanc, parce que c'est la fête de la Sainte Famille. En même temps, c'est la fête de la Sainte Famille. Parce que les dimanches après l'Épiphanie sont normalement en vert. Les dimanches après les grandes fêtes sont en vert, sauf s'il y a une octave. Alors, c'est toujours la même couleur comme maintenant, c'était une octave de Noël. Il y a encore quelques octaves qui existent, c'est de Pâques et de Noël et de Pentecôte. Mais pour le reste, les dimanches après sont verts, ça veut dire la verdure, ça veut dire la vie. La vie de l'Église se développe à partir des grâces qu'on a reçues de grandes fêtes. Mais dimanche est quand même blanc parce que c'est la fête de la Sainte Famille, donc c'est l'exception. Voilà. Donc le centre de messe se met petit à petit en place. Le but, c'est de, bien sûr, de faire tout ce qu'une paroisse fait, à disposition, tout ce qu'une paroisse fait, je peux le faire. Donc, je suis une quasi-paroisse, selon moi, canon, un quasi-curé. En pratique, c'est exactement la même chose qu'une paroisse et un curé. Mais une quasi-paroisse et un quasi-curé, c'est une paroisse en construction. Le quasi-curé, c'est le curé qui est responsable de la paroisse en construction. Et encore, il faut encore un bémol, c'est de suppléance, bien sûr. Tout est de suppléance. Il n'y a plus rien qui est normal. Ça veut dire avec une juridiction normale. Mais il y a tout ça, toute cette structure de l'Église est de suppléance, et elle est forcément là à cause du dogme de l'indéfectibilité de l'Église. Il ne peut pas manquer quelque chose à l'Église. Et la paroisse est fondamentale, n'est-ce pas? La cure, le curé, c'est celui qui a cure, qui a soin des âmes. C'est fondamental. Les fidèles ont un droit à avoir la messe, les sacrements, etc. Donc, l'instruction, ils ont un droit canonique. Et voilà, donc c'est de suppléance. Tout est de suppléance, mais c'est réel. C'est réel. On est à 60 ans dans la soie de suppléance, donc jusqu'à ce qu'un pape arrive, parce que toute juridiction normale vient d'un pape. Jusqu'à ce qu'il y ait un pape, qu'on fonctionne dans le vacanon, qui est dans le vacanon, mais de suppléance, selon l'ordre. L'évêque a plus de suppléance pour plusieurs choses que le prêtre, bien sûr, ça correspond à l'ordre qu'on a reçu, le diacre aussi, etc. Voilà. Donc le but, c'est de paroisse, et éventuellement, c'est aussi très nécessaire, mais il faut avoir la possibilité de faire des retraites, quand on sait approcher les retraites. Alors, il faut aménager quelques locaux pour passer la nuit. On a pour le reste l'infrastructure. Il y a un salon à manger, il y a la cuisine, il y a la chapelle. Donc, il y a tout sauf. Il faut voir. Et ça, c'est assez facile à faire, je pense. Organiser un dortoir. Ouais. Donc, on pourra penser à prêcher la retraite. Ouais. C'est important, un centre de messe. Hein. Donc. Voilà. Et ensuite, s'il y a encore l'occasion, il y a des personnes qui veulent se mettre continuellement avec moi pour avoir la messe quotidienne, l'instruction, qui veulent habiter, finalement, qui veulent habiter comme des frères. J'en ai plusieurs. Eh bien, pour ça, il faut encore une autre structure. On attend la Providence et les bienfaiteurs, qui sont les instruments de la Providence. C'est la Providence.
Merci pour vos prières, pour le développement de l'apostolat. Même s'il y a peu de fidèles, ça existe et ça continue, c'est important. L'Église a très petit en nombre lors des persécutions, lors des temps derniers. On est à la fin d'un temps d'apostasie, donc c'est normal qu'il reste peu de personnes, malheureusement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, c'est l'évangile le plus court de l'année, mais il est très riche, il est très fort. Cet évangile le plus court de l'année peut détruire les bêtises, les hérésies, l'hérésie la plus importante de Vatican II. N'est-ce pas? Un des hérésies les plus importants, n'est-ce pas? Qui ont été développées jusqu'à l'esprit d'Assise. Développé par l'antipape Jean-Paul II, n'est-ce pas? L'esprit d'Assise, c'est devenu un mouvement énorme. Et parce qu'on reproche à Bergoglio, n'est-ce pas, d'avoir adoré une déesse, une idole, dans le sanctuaire, dans la basilique, et la Pachamama de Brésil, qui est la déesse terre, hein, la mère terre, mais on l'adore, parce qu'on n'adore pas la terre quand même. Eh bien, c'est une application de Vatican II. Bergoglio, qui maintenant tout le monde voit qu'il n'est pas pape, qu'il a fait n'importe quoi, eh bien, il ne fait qu'appliquer que Vatican II. Il ne fait qu'appliquer. Donc, si on a bien compris Vatican II, il faut autant d'aversion vers Vatican II qu'envers Bergoglio. Bergoglio ne fait qu'appliquer Vatican II. Ouais. Donc, c'est la Vatican II, les hérésies ont commencé avec Paul VI. En 64, tout cet esprit d'Assise, n'est-ce pas, cette espèce de respect pour le péché, le mortel le plus important, n'est-ce pas, l'idolâtrie, l'hérésie, l'apostasie, n'est-ce pas, les fausses religions sont des péchés mortels contre le premier commandement, un seul Dieu, tu adoreras un seul, c'est le plus important. Vous connaissez l'histoire de l'Uveau d'or au Sinaï. Je vais être très fâché, n'est-ce pas, contre la violence, la violation, je veux dire, de cet commandement le plus important. Quelle est la résumée de toute la doctrine catholique selon notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Eh bien, c'est aimer le bon Dieu avec toutes ses forces. Voilà. Et le prochain, comme soi-même, par amour de lui, parce qu'il a aimé son prochain, c'est aimer le bon Dieu indirectement. On peut l'aimer directement, c'est l'aimer avec des actes de foi, d'espérance, d'amour, de la charité. Et on peut l'aimer indirectement parce qu'on aime son image. Si on aime une personne, on aime son image. Et tous les âmes ont été décrits à son image. Donc aimer son prochain, c'est encore aimer le bon Dieu. Donc toute la religion, c'est aimer le bon Dieu. Et l'aimer, c'est l'honorer. Première chose, c'est si on aime quelqu'un, on est au moins poli avec cette personne, on le respecte. On respecte son être, ce qu'il est. Alors, donc, il est Dieu. Il est le seul, il n'y a qu'un seul Dieu. On peut prouver ça. Platon, Aristote ont prouvé déjà, il y a des milliers d'années, scientifiquement, qu'il y a un seul Dieu. Et qu'il est spirituel, qu'il est tout-puissant, infiniment intelligent. Il est l'être. Son essence est être. Il est tout, donc. Les cas de l'être positif, c'est lui, mais infiniment. Alors, maintenant, les gens doivent être vraiment confrontés avec des choses grossières, n'est-ce pas, pour se réveiller, c'est dommage. Et les prêtres, n'est-ce pas? Où sont les prêtres? Qu'est-ce qu'ils ont fait après les évêques? Ils sont encore plus responsables parce qu'ils doivent savoir. Donc, tout le bazar, n'est-ce pas, tout ce qui est vraiment abject de ce que fait Bergoglio, n'est-ce pas? Il a beaucoup d'opposition maintenant. Il y a même des cardinaux qui ne sont plus cardinaux. Ils ne sont plus cardinaux parce qu'il n'y a plus de juridiction depuis 60 ans. Donc, pour être cardinal, il faut être créé par un vrai pape. Eh bien, Vigano, Burke, il y en a plusieurs maintenant qui dénoncent tous les abus de Rome. Et c'est bien dénoncé. Mais ils viennent un peu tard. Hein. Il fallait dénoncer. Il faut dire que c'est Vatican II la source.
C'est comme Jean-Paul II, à Assise, quand il a mis, organisé le Bouddha sur l'autel, il a invité tous les représentants, toutes les religions. Il a dit, je ne fais que, j'applique Vatican II. Il a raison. Donc pourquoi il y a si peu qui ont réagi à Vatican II? C'est incroyable. Jean-Paul II dit, je fais appliquer Vatican II à Assise, et maintenant Bergoglio aussi, et maintenant on se réveille. Mais il y a très peu de personnes. Il y a deux évêques seulement qui ont bougé, enfin 250 quand même, mais à la clôture du concile, seulement deux. Deux ont réagi. Mais c'est un aveuglement extraordinaire. Mais c'était bien caché, les résignations, c'était caché. C'était sous forme de bien, de charité fraternelle. On respecte le bouddhiste, le juif, le musulman, l'hindou, donc on respecte aussi leur religion. Mais respecter la religion, c'est vénérer les faux dieux, le diable. C'est vénérer le diable. Parce que dans l'Écriture sainte, encore rien marqué, les démons des gentils sont. Les dieux des démons sont des gentils. Psaume 95, 95. La Vulgate, Saint Jérôme. Il ne faut pas prendre une autre version parce que ça, il a encore affaibli le texte. La version de Saint Jérôme, la Vulgate, l'Écriture sainte, c'est la. C'est la seule qui a été canonisée par un concile. Il y a plusieurs versions qui sont acceptées par l'Église, mais c'est juste cette version qui dit gentium demonia. Les dieux disent gentium des gentils, démons sont des démons. La version grecque, n'est-ce pas, dit les dieux des démons sont vains, sont rien. Rien, oui. Celui ne représente rien, mais il y a un démon par derrière, qui est un menteur, n'est-ce pas. Dire que c'est un dieu et c'est rien, c'est un mensonge. Donc la Vulgate est beaucoup plus virile, n'est-ce pas? Plus juste, elle dit, ce sont des démons, n'est-ce pas? Donc derrière toutes les religions, il y a des démons. C'est démoniaque. Et on ne juge pas des personnes qui sont bien intentionnées, peut-être, oui. Il y a des bouddhistes qui ont le baptême de désir, on ne juge pas les personnes. Et c'est encore une confusion que Vatican II a mis. Il faut respecter les personnes, le droit de l'homme, la dignité humaine, donc on respecte ça la religion. En milieu de. Par charité fraternelle, ils ont détruit la charité de Dieu. Mais il faut charité fraternelle. Parce qu'il faut aimer le prochain par amour de Dieu et pas contre l'amour de Dieu. C'est ça le péché de Vatican II. Et ce texte, le très court, c'est une phrase et quatre lignes, n'est-ce pas? Luc 2, 21. Eh bien, c'est un évangile très court. Il a donné. Il lui donnait le nom de Jésus. Jésus, c'est le Sauveur. Le Sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est pour ça que l'Épître est encore beaucoup plus. Il est plus clair. L'Épître des Actes des Apôtres, Saint-Pierre va dire Non est in alio aliquo salus. Il n'y a pas de salut dans aucun autre. Dans aucun autre, on peut trouver son salut, on peut être sauvé. Jésus est le Sauveur. Ça veut dire son nom de Jésus. Christ veut dire qu'il est envoyé par Dieu, qu'il vient de Dieu, de la part de Dieu, qu'il est Dieu. Donc Christ désigne plutôt sa nature divine et Jésus sa nature humaine. C'est par sa nature humaine qu'il a sauvé. C'est la nature humaine qui a souffert, qui a reçu de la passion, qui est morte, n'est-ce pas, ressuscitée. Donc c'est par son humanité qu'il a sauvé. Dieu a sauvé le monde par son humanité. Donc Jésus, ça veut dire le Sauveur. Mais il fallait quand même qu'il soit Dieu en même temps pour avoir les mérites infinis d'un Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il fallait réparer des péchés qui ont une valeur négative infinie. Voilà, donc c'est dans l'Écriture sainte. Et c'est expliqué par plusieurs conciles, c'est le début, c'est évident, c'est le nom de Jésus, n'est-ce pas, qui était prêché. Allez prêcher toutes les nations, faites garder mes commandements, baptisez. Au nom de Jésus, baptisé, son trois commandements. Donc, comment alors respecter la religion? Aucun apôtre a fait ça. Aucun apôtre a eu le moindre respect pour une autre religion. Rien. Même s'il y avait des éléments de salut et de vérité, comme dit Vatican II. Pas de respect, pourquoi? Parce qu'il y a du poison dedans. On ne respecte pas quelque chose, il y a des bonnes choses, mais aussi du poison caché. Bon, personne ne va manger une tarte qui est magnifique, qui est très bonne, de très bon sucre. Mais il y a du arsenic. On ne va pas manger la tarte, on ne va pas respecter cette tarte, on va la jeter. Eh bien, on ne respecte pas les autres religions, on respecte les personnes, mais pas les autres religions.
On les haït, on les hait, on les déteste. On les hait, on les déteste. On les rejette comme le diable lui-même. C'est ça qu'il faut faire avec les... Saint-Martin qui a converti ses régions, n'est-ce pas, la campagne en Gaule, n'est-ce pas. Il a détruit les temples. Détruit. Manuellement, n'est-ce pas, physiquement, il a cassé avec... Il avait un marteau, je ne sais pas ce qu'il avait. Il se débrouillait, n'est-ce pas. Il cassait les idoles. Et après, il prouvait qu'il venait pas porter le vrai Dieu avec des miracles. Et c'est comme ça que les campagnes se sont converties, parce que les villes et la noblesse et la plus grande partie des Gaulois se sont convertis avec le baptême de Clovis, mais pas les campagnes. C'est Saint-Martin qui a converti les campagnes. Eh bien, il n'était pas pour Vatican II, Saint-Martin. C'est quand même un très grand saint. C'est un très grand saint. C'est un des plus grands saints, les plus populaires. Bien. Eh bien, il ne respecte pas les autres religions. Il les casse physiquement. Il les détruit. Alors, il serait condamné actuellement pour vandale de art religieux. Il serait condamné pour vandalisme, maintenant. Hein? Ouais. Mais c'est un saint. Le bon Dieu pense totalement différent que le monde. Il nous est donné un nom. Et c'est un nom qui conforte tout. Il est Dieu, c'est Dieu. Et celui qui porte le nom désigne la personne. Le nom, ça désigne la chose. Et le nom d'une personne désigne la personne. Cette personne est Dieu. C'est pour ça qu'il y a tellement de force dans le nom de Jésus et de Marie. Quand on dit Jésus-Marie, quand on est en train de mourir, et on regrette ses péchés, bien sûr, et on accepte la mort que Dieu nous envoie, on a une indulgence plénière si on a reçu la bénédiction, n'est-ce pas, papale. C'est ça la bénédiction papale qu'on donne au dernier sacrement. Ce qu'il faut faire, c'est dire Jésus-Marie. Il y a une force incroyable. Donc, ça donne une indulgence plénière, ça veut dire, après la confession, vous avez plus rien, vous êtes directement au ciel. C'est pour ça que le bon larron est allé directement au ciel. Aujourd'hui, vous serez chez moi. Eh bien, il a fait la même chose, il a évoqué Jésus, côté lui, il a accepté qu'il était un pécheur, parce que nous sommes ici, nous méritons, il a dit, nous, mais lui, il était innocent. Alors, aidez-moi, il a invoqué Jésus, voilà. Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Il a vu la rémission de ses péchés, et même l'indulgence plénière. Plus de purgatoire à faire. Voilà. Eh bien, nous avons la même chose avec le nom de Jésus. Les gens doivent savoir ça, il faut appeler les prêtres, le prêtre de chevet des mourants, n'est-ce pas, pour donner le dernier sacrement. Le sacrement, c'est d'abord bénir la pièce, ensuite on confesse. Si la personne est encore capable de confesser, il faut appeler le prêtre le plus vite possible. Justement, maintenant qu'il y a une pénurie de prêtres, il faut pas attendre le dernier moment. Et ensuite, l'extrême onction, bien sûr. Et ensuite, la communion, le viatique, c'est-à-dire la dernière communion. Il y a une première communion et une dernière communion. Eh bien, ça s'appelle la viatique, c'est-à-dire la rançon qu'on reçoit pour faire le passage, qui est un peu pénible, si on quitte le corps. Alors, c'est pénible parce que l'âme est faite pour annuler le corps. Elle doit quitter le corps. Elle doit quitter ce pour quoi elle était faite. Elle a crié pour annuler le corps. Elle doit quitter. Donc, c'est pénible quand même. Ça ne va pas tout seul. Enfin, ça va tout seul, mais c'est pénible. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'arrêter. Mais ensuite, la bénédiction papale, le prêtre donne, c'est un sacramental, mais qui est important. Donc, je répète, si au moment de la mort, in articulo mortis, dans l'articulation de la mort, ça veut dire quand on est en train de mourir, eh bien, le mourant va évoquer, même de cœur, s'il ne peut plus parler, Jésus-Marie, avec acceptation du genre de mort que Dieu a lui envoyé, et bien sûr, elle règle ses péchés. Alors, il a une des ordinaires. Bien, chers fidèles, ce nom de Jésus est très important. Il ne nous est pas donné un autre nom. Donc, c'est lui et pas un autre, puisqu'il est tout. Et en dehors de tout, il n'y a plus rien. En dehors de tout, il n'y a rien. Sinon, ce n'est pas tout. Il n'est Jésus et il n'y a pas d'autre chose. Et tout le reste sont des tromperies, n'est-ce pas? Les autres religions, vous voyez ce qu'on connaît, les religions, ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Parce qu'il faut voir les fondateurs, ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Bon,
Si on compare ça avec notre Jésus-Christ, il y a quand même une grande différence. Hein. Pourquoi nous sommes dans la misère? C'est parce qu'on a accepté l'hérésie, n'est-ce pas? L'hérésie de respecter les autres religions. C'est l'hérésie la plus importante. Ensuite, encore, de respecter les frères séparés. On disait, mais son nom, sur ces frères séparés ne sont pas des frères. On dit les frères séparés, les protestants, les schismatiques, les anglicans sont des frères séparés dans la foi. Les frères, non, ne sont pas des frères. Ce sont pas des frères. Parce que les pères, si on est frère, on a le même père. On n'a même pas le même père. Parce que les pères de l'Église, les grands théologiens de l'Église, n'est-ce pas, le magistère de l'Église dit, celui qui n'a pas l'Église comme mère n'a pas Dieu comme père. Les protestants qui n'ont pas l'Église comme mère, les anglicans non plus, etc., les orthodoxes, les schismatiques orientaux non plus, eh bien, ils n'ont pas l'Église comme mère, donc ils n'ont pas Dieu comme père. Ils ont diable comme père. Parce qu'on est hérétiques et schismatiques. Donc comment dire que ce sont nos frères séparés? C'est encore un mensonge, n'est-ce pas, de Vatican II. Nos frères séparés dans la foi. Non? Ce sont des hérétiques qu'il faut convertir. Ils vont se convertir. L'union se fait dans la vérité. Dans la vérité. Si tout le monde se convertit vers la vérité, on est l'Église dure une. Parce qu'elle se retrouve une autour de la vérité, la doctrine révélée par Dieu. C'est ça l'Église. Elle est premièrement doctrine et vérité. Jésus est le Verbe. Et ensuite, c'est une vérité qui porte à l'amour, n'est-ce pas? Un Verbe qui, avec le Père, souffle le Saint-Esprit. C'est une vérité qui délivre, n'est-ce pas? C'est une vérité incroyable. La vérité vous le rendra libre, bien sûr. Jésus libérateur, c'est le Verbe. Donc, cette petite évangile, n'est-ce pas, est très riche. Et c'est la clé de la solution de la crise de l'Église. La crise de l'Église, l'Église n'est jamais en crise, mais je veux dire la quantité, une quantité de membres sont en crise parce qu'ils ont suivi un pape, un infiltré franc-maçon, n'est-ce pas, qui a été reçu comme pape, et après il a fait basculer 99% dans l'hérésie, dans l'apostasie. Mais l'Église continue, n'est-ce pas, et il y a toujours autant de force dans le nom de Jésus qu'avant. Il faut garder courage. De plus qu'il y a des problèmes, de plus qu'on a la grâce, n'est-ce pas, la grâce. Ce nom de Jésus, il faut l'appeler, n'est-ce pas, il faut vivre en Jésus, avec Jésus, dans son cœur. Il ouvre son cœur. Il montre son cœur à Sainte Marguerite Marie. Donc, chers fidèles, ayons un grand respect pour ce nom de Jésus, n'est-ce pas, qu'il a reçu au moment de sa circoncision. C'est pour ça que c'est aussi, avant, c'était la messe de la circoncision, parce que ça allait ensemble. Il fallait circoncire l'enfant après 8 jours. Eh bien, c'était fait probablement, encore à Bethléem, par Joseph. Vraiment, c'est le père de famille qui le faisait. Avec quel respect ils ont fait ça, n'est-ce pas? C'est le premier sang que Jésus a coulé, le petit bébé, le tout petit bébé, n'est-ce pas, qui, selon la loi de Moïse, devait être circoncis. C'était beaucoup de délicatesse. C'était fait justement parce que par la procréation, le péché originel est transmis. Donc la circoncision était imposée par Dieu à Moïse pour le peuple élu, pour montrer qu'ils devaient mortifier leur concupiscence. Enfin, mortifier, n'est-ce pas? Parce que saint Étienne, avant de mourir, il va dire « incirconcis de cœur ». Parce que la circoncision du corps, enfin la partie propre des mâles, n'est-ce pas, ça signifie quelque chose dans l'esprit, bien sûr. Ça veut dire qu'il faut être incirconcis, ça veut dire mortifié dans l'esprit, qu'il faut être mortifié toute la vie, qu'il faut combattre sa triple concupiscence et tous les vices. C'est tout le combat spirituel. Voilà. Il ne suffit pas de laisser circoncis au niveau de la chair et de rester incirconcis de cœur. C'est plus important d'être incirconcis d'esprit. Saint-Étienne dit, vous êtes circoncis de corps, mais pas circoncis, vous êtes incirconcis de pensée, n'est-ce pas, de cœur. Et c'est à ce moment-là que, selon l'ange, comme l'ange avait demandé, ils ont donné le nom de Jésus à notre Seigneur Jésus-Christ. Chers fidèles, ayons un grand respect pour, bien sûr, la personne de Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui est Dieu même, qui est le seul sauveur. Et ça suffit, il suffit, parce qu'il a tout, il a tout. Il a tout ce qu'il faut, il ne faut pas un autre. Et Dieu
fait les choses bien, donc il a fait ça une fois et c'est parfait. Voilà, il ne faut pas faire une deuxième chose, il n'y a qu'un nom de donner. Eh bien, on a un grand respect pour Jésus-Christ, et il y a aussi le culte de son nom, parce que son nom appelle littéralement la personne. Ça porte une emprise, n'est-ce pas, sur son nom, sur la personne même. Si on dit le nom de quelqu'un, il vient. Si on dit Jésus, il vient, Jésus vient avec ses grâces. Donc, un grand respect pour ce nom de Jésus, n'est-ce pas, et dans le cœur. Il y a même la prière de Jésus. Il y a des personnes qui, toute la journée, quand ils ont l'occasion, font la prière jaculatoire, « Jésus, ayez pitié de moi, ayez pitié de moi, ayez pitié de moi. » Et ça devient comme la respiration du corps, c'est la respiration de l'âme. C'était la prière de Jésus, n'est-ce pas? Et ça porte beaucoup de grâce, les prières jaculatoires. Des petites prières qui sont comme des flèches d'amour qu'on envoie vers le ciel. Les prières jaculatoires, c'est des toutes petites prières, mais elles sont très fortes parce qu'elles sont condensées, parce qu'on n'a pas l'occasion d'être distrait dans une prière jaculatoire, elle est trop courte pour être distrait. Voilà, donc ayons une grande dévotion pour ce saint nom de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in un Dio, Padre onnipotente, Padre cieli e terre, visibili mondi e invisibili mondi, et in nomine Domini Jesu Christo, Cristo di Misericordia, et ex parte latem ad omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumen de Deo, Vero Deo, Vero Deo, Genitor non factum possum sanitiam in pace, et omnia facta sunt, et propter nos omnibus, et propter nos sanitiam in pace, E compate et filio simul adorato et valet publicato, et locotis et profetas, et unam, sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam, conficio in un baptismo de missione peccatorum, et expecte resurrectionem mortuorum, et vita aventuri seculum. Amen. Dominus fobiscum, oremus. Confite vortibi Domine Deo spes in todo corde meo, e glorificato nome ancora in eterno, quarantù Domine Svangis et Cuttides, et molte misericordie omnibus et sopratto di ste. Alleluia. Qui reçoit la communion?
Pelomnia secola secolorum, Dominus vobiscum, sunt sanctam, grazie gamus omnia Dio nostro, desime tu semestre con il salutare, nostri sante tu grazie d'argere, Domine sancte patum potas et tenedimus, per te mutilati del misterio, novamente esposte, o Christus, tu et alitabis e fosse, tu non visibilite Dio, ma conoscimus, per un che invisibilum amorem la priamo, et il dit, comme angélis et arcangélis, comme flores et dominatio, adivos, comme flores et celestes, et chacitos in un rodi et tuli calimo, sine, fine, dicentes. Sanctus, 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 dominus Deus, salva, plenus et cecilia terra, gloria tua, osanda et gracias, predictus et vilite la mine padrum, osanda et gracias.
Nobis Corpus Peccatoribus. Et on est assis de la psychologie. Et chaque fois que je t'arrive au soir, il est divin, ainsi de soi, les femmes, les bénéficiaires. Pater noster, que l'in cieli, il se sent divinitio de l'homme et de l'homme. Advini a te nom tuum, et fiat voluntas tua, si tu vincero et in terra. Pater nostrum quotidiana, la vesodi, et dimite la vesevita nostra, si que de nos dimite nos evitari vos atres. Et de nos et nous cas in tentation. Per omnia secula seculorum. Amen. Fac domini sit semper vobiscum et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Omnipotentiae, Beata Maria Semper Virginum, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Iuliam Baptiste, Sanctis Apostolis Petrantorum, Omnibus Sanctis Liberate, Que Pecanum Exclusus Ascendere Apostolae, Merte Quam Apostolae Maxima Cultura, Deo Praecor Beata Maria Semper Virginum,
d'être Michel-Archange, d'être un intercesseur, sans que ça soit sur la point comme, en naissant tous ces bâtés, pour répondre à donner de justice. Miséricorde, je suis votre ange de Dieu, c'est lui qui s'explique à tous les de carbone de vitam et perdant. Il nous gêne sans marcher sur la ministre, le pécateur, le verset, l'homme qui va devoir, mais en importance et miséricorde, donnez-nous. Amen. Merci à nous, Dieu, tu veux être pécateur, à nous, Dieu. Domine nos souvenirs, nous sommes très stricts, ton Dieu. C'est dans tout l'univers, où est sa nature, le Dieu. Domine nos souvenirs, nous sommes très stricts, ton Dieu. C'est dans ton univers, où est-ce à la victoire de ma mère. Dominez dans son vie, nous souviens très souvenir de ton mère. C'est dans ton univers, où est-ce à la victoire de ma mère. Omne gentes quas cum prefecisti venia de te vacum curam te domine,
glorificavano nel tuo cuore, magnus et spirit, pace mirabilia, tu es divus solus, alleluia. Dominus fabiscum, oremus. Omnipotens et benedictus qui creasti et redemptionis, respicie propitius vota nostra, et sacrificium salutaris hostiae, quod in honorem nomine Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, maiestate Tue obtulimus, placido et benigno occultu et scipere dinieris, ut gratia Tua nobis infusa, sub glorioso nomine Iesu eterne predicitationis, titulo gaudiamus, nomina nostra scripta esse in celis, per unem nomen nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivi et venas, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia sicura, sicurorum. Amen. Dominus vobiscum, quite missa est, de vasias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio et verbum et verbum et apud Deum et Deus et verbum, hoc et principio apud Deum omnia creatio facta sunt, et si in ipso factum est, nihil factum est. In ipso vita erat vitae et lux hominum, et lux in terra vis lucem, et terra vel comprehendero. Cubit homo missus ad Deo cum in nomine Johannes, ideet in testimonium, ut testimonium per libere de lumine, et omnes scelere per illumine. Non erat ille lux et testimonium per libere de lumine. Erat lux vera, qui illumat omne homine venendo in mundum. Il mondo erat et mundus per suum factus, esse non seum cognovit. In propria venit et sui non acceperunt. Quotul hoc menceperunt Deum et Dei dispares ad filios Dei filii. Is fi crant nomine eius crant in sanguinibus, neque bondate canis, neque bondate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et nati nati, et nati 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 Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu entre mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu entre mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu entre mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Salve Regina, Madre Misericordiae, vita dulcedo, spes nostra, salve. A te clamamus, Exsus Christus Filii. A te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. E vira in gloria proprieta nostra, Iesus tuus, misericordiae, nostri nostri nostri. Et Iesum benitum fructum ventris tui, nobis, consagris in mostende. O clemens, Sophia, dulcicero Maria. Ora pro nobis sancta Dei genetrix. Notinificis in conditionibus Christi. Oremus, Deus effugium nostrum et virtus, Populum ad declamante propitius respice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei Genitrice Maria, cum beato Iosef Ius Pontio, beata apostis tuis Petro et Paulo, Filius Sanctis, quas pro confessione peccatorum, pro libertatis ad actione sancti et vati Christi Pesci defundimus, misericordiae minum exaudi per omnes Christum et Domino nostro. Amen. Sancte Mica Cangeli defendem, prelio contra Christum, sitia diabolo et presidium, Imperatile Deus, subice deprecamo, tu que pince et mici lesse satmodos cuspitos malignos, que perissionem animal per vegan del mundo divina, virtut in inferno de trude. Amen. Curio sacratissimo. Curio sacratissimo. Curio sacratissimo. Numero 363-637. Euh,
pardon, c'est la page avant, donc 336, numéro 362. 362. Il est le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son appellement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettons les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendons cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. À qui il est beau, qu'il est charmant, à que ses grâces sont parfaites. À qui il est beau, qu'il est charmant, qu'il est doux, ce divin enfant. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Une étape et son logement, un peu de pain et sa couchette. Une étape et son logement, pour un Dieu qu'elle avait seulement. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Et des couplets. Ô Jésus, le roi tout-puissant, tout petit enfant que vous êtes, ô Jésus, le roi tout-puissant, régnez sur nous entièrement. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement.
pour bien commencer l'année, cette, donc, l'Église demande de chanter le Veni Créateur, donc l'invocation de Saint-Esprit. Il fallait le faire hier, mais puisqu'il y a peu de personnes hier, on fait aujourd'hui. Il fallait faire le premier jour de l'année, mais maintenant il y a plus de monde. Donc on va invoquer le Saint-Esprit sur la nouvelle année de, qui donne des grâces et des inspirations pour faire la volonté de Dieu, de l'unité de ses frères. C'est la page 96, numéro 39. Donc la première sœur est à genoux pour signifier que le Saint-Esprit est Dieu. Les autres sœurs sont debout pour montrer notre dignité d'enfant de Dieu, parce que le Saint-Esprit veut habiter et habite en nous, tout à fait grâce. Donc ça marque la dignité d'enfant, l'enfant de Dieu, habité par le Saint-Esprit Saint. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in me superna gratia, quae tu creasti pectora. Qui diceris Paraclitus, altissimi donum mei, Fonsivus ignis caritas, espirita disuncio. Tu senti formis mundare, et ictus paterne et exere, tu liter omis sum patris, sermone divinas gutturas. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nosi corporis, virtute firmans perpetui. Meos emre pelas angeius, pacem qui dones protinus, doctores hic te premio, vitemus omnes auxilium. Perdeciamus a patre, nosciamus atque filium, Tecutriusque spiritum, credamus omnitempore. Deo Patris in gloria, et Filio qua mortuis, surrexit ac Paraclito, in seculorum secula. Amen.
J'arrive tout de suite, je fais l'action de grâce.